Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans Rompichemania. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. J'ai fait une petite sieste. Du coup, je suis prêt à dormir. Enfin, non, mais. Oh là 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 là, Rompichemania, qu'est-ce que c'est bien. Hop. Et oui, nous sommes sur le 42e épisode, sinon. La saison B. Il fait nuit, oui. Le plaid, oui. Oui. Bonjour Ormac, bonsoir. Merci de ta venue, c'est très gentil. Très très gentil, je nettoie mes lunettes. Et on va repartir. Deuxième épisode sur Jet Cocoon. On espère que le jeu va s'activer, que la magie va s'opérer, que le gameplay va exister. Et va se développer telle une belle fleur ou un beau papillon. Parce que bon, c'est pas trop fou de regarder une chenille, mais un beau papillon. Oh, t'imagines, trop fou. Allez. Ouais, en gros, ce que Mister F essaye de nous dire, et ce que j'essaye de vous dire avec une manière un peu moins poétique, j'espère qu'on va pas se faire chier, quoi. Merde quoi. Allez. On y va. C'est tout ce qu'on espère. Ce matin, ça a été difficile. Je vous l'avoue, après la fin du live, en allant manger, j'ai regardé Célia et j'ai fait... Alors, Seven Guests, c'était compliqué. Et Jet Cocoon, c'était compliqué. Mais pas pour les mêmes choses. Attention. Ça n'a rien à voir. Pas pour les mêmes choses. Si Jet Cocoon... Si Seven Guests avait été comme Jet Cocoon en termes de présentation et en termes de narration, ça se trouve, Seven Guests aurait été bien mieux. Et si Jet Cocoon aurait été... comme Seven Guests en termes de folie, bah ça serait pas fou. Ça serait pas fou. Pourrait, serait, était. Non, était. Parce qu'il ne l'est pas. C'est sûr. Il ne peut pas être un FMV. Ce n'est pas possible. Enfin, à moins que je vais me faire prank, mais... Mais oui, n'hésitez pas à me corriger. À me corriger dans tous les sens du terme, bien sûr. Ma syntaxe est loin d'être parfaite. Oh. Ah, donc là, notre chère Mabou, notre femme, a l'air de nous dire qu'elle est fatiguée. Mais on va la regarder, on va lui dire travail, s'il te plaît. Nous prions pour les âmes tourmentées. Et oui, Seven Guest a disparu à vie, car Seven Guest est un... est un logiciel ludique peu... peu intéressant. Voilà, nous méritons mieux. Enfin, je mérite mieux et vous méritez mieux. Voilà. Vraiment, vous méritez bien mieux. Et je mérite... je sais pas si je mérite mieux, faut peut-être pas abuser. Mais vous, c'est sûr. Et je fais ça pour vous. Peu ludique. Alors, peu ludique, je sais pas. Je sais pas. Dire peu ludique, ça voudrait avancer que je maîtrise le domaine du ludisme. Je pense pas que ça se dise. Mais j'ai un doute. J'ai une lucidité malade. Oui, c'est... Oui, il a... Il avait quelques petits soucis. Hein. Paludisme, ça se dit, ouais, mais... Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Si je le dis très vite, on ne sait pas ce que j'ai dit. Alors, nous n'avons pas eu de dino. On n'a pas vu de dino pour le moment. Mais il y a des dragons. Et il y a des grosses tortues. Et on sait très bien qu'une grosse tortue et un... Entre une grosse tortue et...
un dragon, il y a sûrement un dino. Voilà. Et là, vous allez me dire comment ça, il n'y a pas de rapport. Plutôt, je veux dire comment ça, il n'y a pas de rapport. Et vous auriez raison. Il n'y a aucun rapport. On va... J'avais ouvert des portes de l'autre côté, on va... On va retourner. Alors, Coquillette m'a dit... Comment dire... M'a lancé à la tête. Même s'il n'y avait rien de méchant là-dedans. M'a dit, bah écoute... PSG de Cocoon, j'avais beaucoup aimé. J'ai eu l'impression... j'ai eu l'impression d'entendre comme une invitation. Comme si Koki m'avait dit « Alors ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas dire ?» Ah ! Ah ! Ah ah ! Je te cloue le bec, là. Hein, tu peux pas me mal parler. Si tu me parles mal une fois, j'appelle Dark Koki et dans ton sommeil... Ouais. Oui, je sais. Allez, laisse-moi... Laisse-moi distendre... Distendre. J'allais dire détendre, mais c'est autre chose. Laisse-moi exagérer les faits. Laisse-moi raconter... mon histoire. C'est mon stream, après tout. Ouais, non, elle va me dire arrête de faire le difficile, sapin. Hey. Elle l'a dit, tu étais là. On a la VOD. Oui, alors bon, est-ce qu'une VOD peut être prise en exemple quand j'ai créé un temps fort par rapport à une VOD. Donc est-ce que le fait d'avoir supprimé une diffusion précédente et créé un temps fort, est-ce que la création du temps fort n'altère pas la VOD ? Très bonne question. Tu préfères un clip de la chaîne de Koki ? Non, je... ça va. Après, n'oubliez pas, Koki est une personne qui a l'air d'être... Alors, non, tout d'abord, avant de dire des bêtises, c'est surprenant ce que je veux dire, mais Koki et moi, nous ne sommes pas la même personne. Je sais. C'est assez surprenant. Et du coup, il se pourrait que nous n'ayons pas la même expérience. Puis, il se pourrait, il se pourrait également que Koki a l'air de, enfin, a réussi à passer plus de 6 heures, je crois, 5, sur un jeu. Sur un point and click. Et je ne sais pas si je serais capable de faire cette. De faire cela. J'ai un doute. Ça me semble être difficile. Je démarrais là. Ouais, on dirait pas. Après là, sachant que le jeu a démarré. J'ai moins de problèmes vu que j'ai été témoin de ce qu'il peut donner. Donc je suis je lance le jeu en étant au courant. Donc tout va bien. J'ai des cheveux, il a une barbe, c'est vrai. Alors barbe, ouais. Bon. Il faut que je me rase. Tu tombes bien d'en parler. Hop. Donc qu'est-ce que je fais? Et il me faudra le
Il faut que mon ma créature plutôt mon monstre d'eau prenne des niveaux afin de battre le boss, sachant que le boss est un monstre de feu et qu'il craint l'eau. Une attaque, un salto arrière, pas facile d'être un héros de ce jeu, non. Ouais. Ah bah là, je peux te dire, je suis naufragé, hein. Ça, c'est sûr. Là, c'est un... Pour l'instant, c'est un naufrage, hein. Non, mais... On va... Je vais le dire, voilà, je le dis. Je pense que nous allons découvrir si le jeu a quelque chose à nous donner en plus de ce qu'il nous donne actuellement avec le deuxième boss. Voilà. Le deuxième boss va décider de la suite des opérations. Clairement. J'ai toute confiance. Enfin, j'ai pleine confiance en le jeu vidéo. Je suis sûr qu'il va pas me décevoir. Je pars en étant positif. Mais le deuxième boss là, incroyable. Deuxième boss qui est un homme oiseau. Impossible d'être déçu. Pourquoi vouloir plus? C'est un jeu PlayStation, non? Quoi? Il a dit qu'il voit pas le rapport. Pourrais-je avoir un peu plus de précision? Alors je sais que c'est Carodus, donc il y a sûrement... C'est un robot, hein, car je vous rappelle que Carodus est un robot. Je vérifie l'état du programme. Où elle a dit qu'elle a quasi pas joué. Ouais, mais... Écoute, je me rappelle très bien que juste après de l'avoir raid, elle m'a quand même dit que c'était très bien. Alors bien sûr, elle a pu dire d'autres choses, mais bon. C'est parce qu'il m'intéresse. Oui, le mal était fait. Exactement, le mal était fait. C'était les mots de trop. Renim, bonsoir. Bonsoir, Hello. Hop. Si ça rentre dans une PlayStation, alors tout est parfait dans le jeu. Ah, c'est dommage parce que oui, c'était un bait de qualité tout à fait moyen, mais peut-être la question qu'on pourrait poser à Carodus, c'est est-ce que il a l'image? Peut-être qu'il n'a pas l'image. Mais je tiens à dire une chose. Jade Cocoon me permet de me rendre compte de me permet enfin grâce à Jade Cocoon je peux faire un très bon constat vis-à-vis de Pokémon. J'ai toujours trouvé Pokémon, la série Pokémon, un peu simple en termes de gameplay parce que jamais poussé. Donc ça veut dire que c'est ma faute, mais ça je le sais. Cependant, dans mes recherches à moi, ou dans mon souhait, dans mes souhaits, enfin pas dans mes souhaits, mais dans mes recherches, ça ira très bien.
Oui, sans aller chercher des tutos ou sans me plonger dans les différentes attaques, les différentes affinités, tout ça. Bon, bah oui, je trouvais ça ok. Le rythme était ok, un peu lent, mais ça va, et encore un peu lent. Bon. Mais en jouant à Jade Cocoon, je me rends compte comment Pokémon est un jeu finalement bien. Il a la science du rythme. Il y a quelque chose, quoi. Les gens qui ont développé ce jeu-là ont fait attention. Et ça, je trouve ça pas mal de me rendre compte que un jeu auquel je ne joue pas du tout est quand même bien parce que ce jeu-là, j'avais pris ça pour acquis. Enfin, Pokémon, tu remets jamais en question Pokémon généralement. Enfin, enfin, si tu peux, mais. Pokémon, c'est Pokémon, tu le connais, tu connais depuis. Voilà, tout le monde le connaît depuis. Enfin, tout le monde connaît la série Pokémon, la licence depuis des dizaines. Depuis au moins une décennie, voire plus. Même deux. Après, le fait de ne pas en avoir fait, bon. T'as pu ne pas tomber dessus, bon, bah, voilà, c'est la vie. Il est mieux dosé que Jet Cocoon. Alors, c'est pas qu'il est mieux dosé que Jet Cocoon. C'est juste que j'ai plus l'impression de jouer quand je joue à Pokémon que de jouer quand je joue à Jet Cocoon. Alors là, tu vas me dire, mais quelle est du coup ta définition de jouer? Eh bien, c'est très simple. Si j'ai l'impression de jouer, quand j'appuie sur les boutons, je suis pas en mode. Ah, je pense à ma liste de courses, je regarde par la fenêtre. Limite, je regarde mon téléphone en mode ah, j'espère qu'il y a une petite notification, quelque chose, qu'il se passe des trucs. Comme ça, voilà. Ah bah, très souvent, on se rend compte des trucs quand on ne les a pas. Oui, ou l'ingratitude de bien faire. Oui. Oui. Très, très bien dit. Et aussi, je me rends compte d'une chose, c'est que quand tu prends pour acquis le fait que le soin, le menuing, ça doit être fait d'une certaine manière, eh bien, il y a toujours des gens pour penser différemment. Exemple. Là, ma créature n'a pas un peu de PV. Je me dis. Mince, j'aimerais soigner ma créature. Normalement, dans un jeu. Allez, je dis bien pensé. C'est bon, je me mouille. Normalement, il devrait y avoir un. Il y aurait un bouton option. Ou un bouton item. Objet. Mais non! Dans celui-ci, il faut. Rappeler la créature, replacer son personnage, prendre le coup de l'ennemi, et utiliser son item, reprendre le coup de l'ennemi, et réinvoquer la créature. Comment ça? Attends, alors je suis sûr de l'avoir utilisé une fois. Ah non, alors ça doit pas être le. J'ai un objet. Je suis sûr d'avoir utilisé un objet. Sur une créature. Sur certains, plus que certains. Ah, c'est peut-être les liqueurs. Oui, c'est les liqueurs. C'est pas les herbes, c'est que pour moi. Et là, elle. Oui, c'est ça. Oui, non, je suis pas fou. Je suis pas fou. Voilà. Voici la marche à suivre. C'est ta définition. Ouais, c'était ma définition du bonheur. Ouais. Dommage, tu l'as raté. Bonsoir, Etelama.
transcript, elle s'en souvenait pas que c'était si long, et de toute façon elle est passée à Ni no Kuni comme elle l'a indiqué précédemment. Exactement. Exactement. Donc tu prends 3 coups pour t'en soigner d'un. Voyons, arrêtons de montrer, arrêtons de pointer les problèmes, quoi. Non mais je peux comprendre que le jeu a des bons retours. Je comprends tout à fait que le jeu a des bons retours. Ah non, par contre, non, je refais pas un combat. Non, 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 je préfère me coincer les doigts, je préfère me coincer les doigts, ouais. Où tu veux. Magie. Ah ouais, ouais, ouais. Non, les combats sont pas aléatoires. Je m'en vais. Rien que ça, quel bonheur. Oui, mais je t'avoue que... j'allais te dire que j'aurais préféré des combats aléatoires, mais en fait non, parce que si le système était comme ça... non, non, non. J'ai... Non, ça, c'est ce que j'ai récupéré. Magie. Position de défense, vous récupérez du mana. Oh! Ah, ça, je ne le savais pas. Apprenez à défendre efficacement pour utiliser ensuite vos comp... Merci! J'ai appris quelque chose! Wouh! Ah, la lanterne des animations. Ah, la PlayStation, ouais. Il semble que quelque chose a été extrait. D'accord. Donc ça, c'est la porte du boss, j'imagine. Mais je peux comprendre que le jeu a été apprécié. Petit, plus... Enfin, plus jeune... Petit, bref, on s'en fout. Tu me passes une PlayStation et ce jeu, je suis sûr et certain que d'une j'y joue et de deux je suis content. Je m'imagine bien être satisfait de ça. Mais le problème c'est que j'aime pas. Je déteste dire c'est un jeu pour enfants parce que ça veut dire de base. Un jeu pour enfants, ou un film pour enfants, ou bref, ça a un côté péjoratif. Ah oui, c'est un truc pour gosses, donc bon, voilà, c'est pas ouf. Non, c'est pas une raison. Enfin, en tout cas, je vois pas le... Y a pas spécialement de lien entre le fait que ça soit pour un enfant... Et bonsoir, Katari. Et le fait que, du coup, ça va être pas bien pour un adulte. Et ça me dérange de cette façon de penser. Donc là, je défends et je vais récupérer du mana. S'il te plaît, donne-en moi plus que deux. Ouais, bon, allez, ça va être bien. C'est pas grave, je vais pas me plaindre. Il m'en a donné au moins 5. Même un peu plus. Ouais, je peux pas me plaindre, je peux pas me plaindre, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre, surtout que ça va accélérer les combats. À l'époque, j'avais essayé un jeu que j'avais skip pour jouer à Legend of the Dragon. Oui, mais après, que ça plaise pas, hein, ça c'est pas impossible, hein, attention, aucun jeu ne peut plaire à 100% des gens qui vont l'essayer. J'ai pas l'impression que vous avez les bonnes couleurs. Ah non, quoique, c'est bon. Hein. Je sais pas. Donc, on va là. Alors, je dois vous avouer,
Sur Retro Pixel, je dois vous avouer, j'ai cherché si dans le jeu il n'y avait qu'une forêt, enfin une grande forêt comme là où on est. Il semblerait qu'il y ait un endroit dans lequel je ne suis pas, je ne vais pas aller, là que je ne vois pas, mais oui, le jeu va se passer dans le petit, dans les petits environ, enfin dans des petits environnements comme cela là. Donc faut pas que j'attende un truc de fou quoi. En gros, ce que je veux dire, ça va pas s'ouvrir, le jeu va pas s'ouvrir, il va pas avoir une world map ou un truc comme ça, quoi. Bon, je le savais, je suis pas non plus idiot, mais je sais pas. Au fond de moi, je me suis dit, ah, on sait jamais, peut-être que c'est une sorte d'introduction, un prologue. J'ai cru. Je vais pas me mentir, j'ai cru. C'est pas simple, un jeu fait pour un public complètement néophyte, jeune, qui soit quand même intéressant. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Oui, mais du coup, ce qui me dérange là-dedans quand on parle de ça, enfin, ce qui me dérange quand tu dis ça, Axern, ça veut dire que un public néophyte n'est pas capable de maîtriser. De maîtriser quelques certains plutôt certains systèmes, sous-systèmes. Ce que je veux dire par là, c'est je suis sûr et certain que un jeu comme Persona, pas le jeu en lui-même, mais plutôt un système de jeu comme Persona, avec toutes les affinités, tous les éléments, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est l'évolution du RPG. Enfin, c'est une sorte d'évolution du système de combat RPG. La mer se paume sur l'objectif de Tetris. Oui, je dis pas tous les néophytes, hein, attention. Bien sûr, il y a plusieurs. Bien entendu, bien entendu. Oui, donc je trouve que c'est une évolution, plus que une façon une manière différente de présenter un jeu un tour par tour. Et je suis sûr et certain que tu peux faire comme là. Le petit carré qui est à droite des PV de l'ennemi ou de ma créature, qui t'explique. Qui t'explique très visuellement l'ordre et les faiblesses et les forces de chaque type, bah, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Je pense que t'as pas besoin de. Ouais, t'as pas besoin de plus. Et ouais, bah tu peux aller un peu plus loin. Tu peux essayer de. Ouais, tu peux essayer de rendre. Enfin, de donner un peu plus de profondeur. Parce que là, au final, t'as peu de profondeur. T'es un peu dans le. Ouais, dans, quand t'as le personnage dans les mains, que c'est à toi de jouer, c'est à toi. T'es pas, tu n'écoutes pas les personnages, tu lis pas, enfin tu regardes pas une cinématique ou quoi que ce soit. Bah, le moment où t'as la manette en main. Ouais, c'est rude. C'est brut. Alors ça a vieilli, bien sûr. Ça, il n'y a pas de. Je pense qu'on va pas on n'a pas besoin de démontrer, enfin d'expliquer pourquoi ça vieillit. Attention, j'ai dit vieilli, hein, pas mal vieilli. Tansian. Mais je suis sûr que tu donnes la manette à quelqu'un. Ah, je sais pas, un joueur.
Même un joueur qui est pas voilà qui est pas un néophyte, oui, comme on disait tout à l'heure. Je suis sûr que même le néophyte il s'ennuie. Je suis sûr qu'il s'ennuie. J'ai du mal à croire que. J'ai du mal à croire que. Que tu te. Que tu peux te. Comment dire ça? Te. Te conditionner. Pas te conditionner, mais. Te satisfaire de si peu. En termes de gameplay, attention. Attention. Parce que tout le reste est. Tout le reste, il est au-dessus. Hein. Il est au-dessus du. Oui, il est au-dessus. C'est au-dessus. C'est dans la moyenne haute de ce qui se, de ce qui peut se faire. Alors, j'ai chopé apparemment des trucs. Bah, les premiers FF, il y a beaucoup, il y a pas beaucoup plus. Et bah je vais te dire un truc. Je me faisais moins chier sur Dragon Quest. Alors là tu vas me dire, attends sapin, là c'est de la mauvaise foi. Non. Parce que les combats sont plus rapides. Donc ouais, ils sont limite instantanés. Certes t'as du farm. Et c'est ce qui fait le gros problème de... Enfin, ce qui peut poser problème dans Dragon Quest, c'est ce farm constant. Constant, là. Mais, bah, comme on a dit à l'époque, c'est quelque chose qui était... qui avait l'air d'être... Ouais, ça, c'était la norme. Et... Bah, c'était la norme, c'est tout. Et l'un des pieds de la lucidité sur les sciences. Oui. Pas pour tout le monde. Ça sert à quoi ça? Attaque de feu sur un ennemi. Oh. Attaque de feu sur. Oh là là, il y a des AOE! Oh là là! Le jeu se réinvente. Exceptionnel. Non, pas en termes de système. Bah. Après. Là, je te dis, c'est difficile de se satisfaire d'un système si peu profond que là. Parce que... Pas que parce que on est sur PlayStation. Mais quand je joue à un jeu qui me semble... qui me propose... Enfin... un jeu qui... Qui me semble... C'est pas qu'il me semble, plutôt. Un jeu sans fioritures, sans... à petit budget, fait par une personne, ou même plusieurs, mais tu sens que c'est limite artisanal. Bon, c'est l'est toujours, mais vous voyez pourquoi j'utilise ce terme. Et que c'est il y a le strict minimum afin que qu'il puisse raconter ce qu'il souhaite raconter. Ça me dérange moins d'avoir quelque chose de simple. Là, c'est comme si ils avaient donc les petits sliders et ils ont tout mis sur. Il faut que ça envoie. Et quand ça envoyait. Il y a un mec de la team, il est arrivé, il a fait « On a oublié le gameplay !» Et tout le monde s'est retourné en mode « Merde !» chaud. Bah, on n'a pas le temps, là. Mince, raté. Bon, bah, on va essayer, hein. Peut-être une question, je sais pas. Peut-être une question d'expérience, hein.
Ça peut être. En vrai, le système de combat, il peut être suffisant, c'est juste que t'as pas de challenge. Bah là, le challenge, ça va, peut-être ça va arriver. Hein. Votre puissance d'attaque pour chaque élément dépend de la quantité de propriétés élémentaires que vous avez. Oui. Alors, je pense que c'est la traduction là le problème. Il veut pas parler. Non, il parle. Il veut pas parler de. La propriété, ça doit être la magie. Attaque magique. Parce que de propriété. C'est-à-dire. Ouais, je pense qu'il veut dire ça. Bonjour. Tiens, mais qu'avons-nous là? Tu n'es pas un peu jeune pour un maître des cocons? Tu n'es qu'un imbécile. On n'était pas supposé faire un animé? Mince. Ouais, c'est un peu ça, c'est vu là-dessus. La plupart des RPG hein, étaient des jeux de farming camp. Oui. C'est Guiloup. On va se taper? Ok. Bah go. Peut-être c'est le deuxième boss lui hein. Mince, pardon. J'ai dit oulala, le dino combattant. Je me suis gratté et j'ai oublié de remettre le. J'ai oublié de faire Pardon. J'ai pas envie que vous en, vous entendiez. M'entendiez me gratter là. Merci. Ah ouais. Bon, je sais pas si c'est un boss, mais. Si si, si si vous entendez. Allez, c'est mère gratounette, ouais. Bon bah je pense que t'es mort, hein. Clairement là. Terminé, hein. Terminado. Je crois que ça c'est le deuxième boss. Hein. Moi ça pour moi c'est le deuxième boss. T'as trop XP ou quoi? Bah je sais pas moi. Je pense pas hein. Ah oui il est tombé comme un. Ouais. T'as lui aussi il a joué au jeu. Rompiche. Ça l'a. Tu vois, ça l'a tout de suite. Voilà. Ça l'a mis bien. Je te ferai payer ton impudence. Clé larve. Je pense que c'est la clé qui ouvre la porte là, qui était fermée. Très bien. Et donc là, on revient ici. Très bien. Donc on va re-rentrer. Y a un truc qui est bien, c'est que le jeu. Et ça, c'est peut-être un point positif du jeu, attention, les éloges, hein, oulala, oulala. Oulala, sapin, tu fais des éloges, c'est assez fou. Oui, on n'a jamais vu ça. Le jeu a l'air d'être sympathique. Enfin, pas sympathique, le... c'est difficile de se perdre. La map est plutôt bien designée.
Tu reviens toujours à un endroit que tu connais et l'exploration est pas désagréable. Ouais, je sais, j'ai... Linéaire donc. Oui, mais c'est un point positif pour moi. Les jeux linéaires sont... J'apprécie. Après, bien sûr, il y a linéaire et linéaire, c'est comme toujours. Pas s'énerver, hein. Hop. Monsieur gardien. D'ailleurs, j'ai regardé un peu des. J'ai lu le test JVC. J'ai lu le test JVC. Vous pouvez aller le lire hein, si vous voulez. Je pense que j'ai l'impression que la personne n'a pas terminé le jeu. Parce que il a l'air de décrire. Ce qu'il décrit, c'est ce que j'ai vu. Alors, à moins que c'est toujours la même chose, ce qui m'étonnerait quand même. Pareil, les images, il montre les images du début du jeu. Il n'y a pas d'image de moitié. Bon, il va pas montrer la fin, mais t'essayes toujours d'avoir un, tu vois, de proposer, je sais pas moi, peut-être d'autres environnements, mais non. Il y a le bon linéaire et le mauvais linéaire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah mais moi je milite totalement. Ah le non professionnel, non. On ne sait pas dans quel contexte le testeur a fait le jeu. Je n'irai pas taper sur un. Alors en plus, j'ai pas l'impression que ça allait. J'ai pas l'impression que c'est un journal. Enfin, il me dit rien. Est-ce que c'est un freelance? Je ne sais pas. Et on ne sait pas le contexte. On n'a pas le contexte. Alors bien sûr, c'est jamais bien de ne pas terminer un jeu si tu le testes. Je suis tout à fait d'accord. Et personne ne devrait faire ça. Mais bon, c'est fait. Et connaît. C'est qui est bon pour nettoyer la terrasse? Encore? Mais tes voisins, enfin tes. C'est des jeunes. Ah, on appelait les flics, ouais. Ouais. T'es en appartement et c'est des voisins qui ont quelques soucis, on va dire. J'ai vu que la porte est ouverte du milieu. Je crois que c'est la porte que j'ai ouverte la dernière fois. Je vais vérifier. Ah non, mais t'as raison. Bon, allez, j'ai pas tapé cette bête et je l'ai pas récupérée. Mettrai une petite caméra. Bon, ça, ouais, mais comment tu veux faire? Ça va pas être si simple de placer une caméra là et. Y a une vue qui donne sur un chemin type chemin du halage, donc les gens envoyés depuis le chemin. Ah ouais, depuis le chemin en plus. Ouais. Bonsoir Big Jim. Pony. Ok. Ah yes. Bonsoir Pika. Allez. Non, pas le transfert. On va essayer de récupérer une des deux bêtes.
Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, 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 ouais. La blatte quand même qui vient et qui met une claque. T'as déjà vu toi une blatte qui vient te mettre une claque? Moi jamais. Hein. Donc on va être malin. Quelle bonne blatte, ouais. J'adore l'humour. On va changer, mettre notre perso, prendre des coups. Bonsoir, Darkflo. Capturer. Dormir un petit moment du temps, la capture, là, parce que l'animation va durer à peu près facilement 30 secondes. Fermer les yeux. Petite sieste de 30 secondes, là. Hop, 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 hop. Cafards à l'hôtel de Madagascar qui sont atterrés sur la... Ça compte. Ah ouais, ils sont violents. T'as coupé le chauffage? Oui. Ah oui, j'ai décidé de vivre sans chauffage. Non mais on en a pas. Comme chaque année. Je vais essayer d'augmenter le niveau de mon art patron. Il doit faire 3 kilos. Ah, ouais. Par contre, Seven Guest, bah, il a disparu. Écoute, j'ai allumé mon PC ce matin et paf, il a disparu. Non, bah, c'était vraiment pas le fun. C'était nul, on peut dire. Ou plutôt, ce n'était pas à mon goût. Je n'ai pas pris le moindre fun. Donc j'ai préféré arrêter l'expérience, l'expérimentation ici. Tu arrêtes avant la fin du jeu? Oui. C'est pas la première fois. D'ailleurs, nous pouvons en discuter. Nous pouvons discuter. Je pense que... ce qui va changer dans les prochaines saisons de Console Mania, il y a quelque chose qui va changer. Secret mort. Quoi? N'y a-t-il aucun homme digne de ce nom ici? Ah, Kikinak! Le boss. Bon bah après, je vais aller. Enfin, un autre boss quoi. Hey, toi là-bas. Pour qui te prends-tu? Tout ceci m'appartient. Non mais quel culot! Tu ne peux pas t'en servir, dommage! Non, Axaran, pas ça. Allez, sois raisonnable. Rends-le-moi maintenant. Très bien, si c'est comme ça, je m'en vais. Ok. Très bien. Bon bah je pensais que t'es boss, mais pas tout de suite. Et il m'a dit rends-moi mon goûter. Rends-moi mon fun. Non, ce que je vais faire dans les prochaines saisons, c'est que déjà je vais mettre des jeux un peu moins exotiques, comme je disais hier sur le Discord. Voilà, je vais désoptique. Oula, ça se dit pas. Je vais me permettre de mettre des jeux un peu plus. Voilà, un peu plus. Un peu meilleur, allez, on va dire ça. Mais en fait, non, meilleur, c'est même pas ça. C'est même pas sûr qu'ils vont être meilleurs. Ça se trouve, ils seront tout juste ok. Mais bon, aller chercher dans les jeux exotiques, ouais. Plus que des jeux faits par des Français. Non, pas dans ce sens-là. Non, mais Seven Guest, disons que... Enfin, il y a quelqu'un qui est arrivé. Voilà. Je t'explique ce qui s'est passé, Gardien, ou même les autres. Hein. C'est comme si quelqu'un a tapé à ma porte. J'ai ouvert ma porte. Il m'a dit « Bonjour, connaissez-vous ce jeu ?»
J'ai pris le jeu dans la main, j'ai fait « Ah, trop bien, merci, je vais jouer !» Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, moins chez père, ouais. On va essayer d'être un peu moins chez père. Et je vais augmenter la liste des saisons. Je pense qu'on va passer à 20 jeux par saison. J'aime Il Bleed. Bah, Il Bleed, écoute, pour y avoir déjà joué, ça va. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas qu'est-ce que dans quelle catégorie tu le classes, mais. C'est une expérience, hein. Hop. Je suis un peu étonné par ce diagnostic. Ah bah si, parce que je peux te dire pourquoi j'y ai joué. Grâce à une personne sans pseudo. Eh bien... Enfin non, une personne sans pseudo a joué à ce jeu en stream. À l'époque, j'étais très manipulable, comme aujourd'hui, mine de rien. Et ayant été manipulé par cet homme sans pseudo, eh bien, je me suis dit, je veux faire tout comme lui, et du coup, je vais jouer. Et j'ai lancé le jeu. Et comme je voulais faire bonne impression, afin de discuter avec cet individu sans pseudonyme, j'ai joué pas que 2 minutes. Enfin, on va pas se mentir, hein. J'ai pas envie de le 100%er. C'est un peu comme Michigan Report, là, c'est pas exactement ce nom-là, mais encore un anonyme, ouais. Enfin, vous avez le nom de ce jeu-là, bref. On va dire que cet individu sans pseudo est a l'habitude de jouer à des jeux exotiques. Bah, si ça se trouve, il faudrait lui demander. Est-ce qu'il serait capable de jouer à Seven Guests? Je ne sais pas. Donc oui, donc 2 changements la saison prochaine. J'ai entendu un certain Michigan. Oui. Le premier changement, c'est donc de on va mettre 20 jeux. Et il se pourrait. Se pourrait que sur les 20 jeux... En fait, sur les 20 jeux, ce qui va se passer, c'est que je vais en mettre des plus connus, mais je vais quand même essayer de continuer d'être... De prendre un petit... Le petit jeu, la petite surprise, quoi. La petite surprise du chef. Le petit chocolat surprise. On sait pas à quel goût il est. Et paf, si c'est un mon chéri, on passe à autre chose. Tu vois ? On met la main sous la bouche et on passe à autre chose. Voilà, voilà. Tu n'aimes pas les mon chéri ? J'aime pas l'alcool. Voilà. Donc ça, bah, ça aide pas. Ouais, mais tu resteras quand même l'arrière-goût amer d'avoir goûté de la merde. Oui. Oh, mais t'inquiète pas, hein. Ça, c'est pas un problème, hein. Manger quelque... Enfin, expérimenter quelque chose de pas agréable, ça ne me dérange pas parce que vous êtes avec moi. Donc, comme vous êtes avec moi, si il se passe quelque chose de désagréable, vous allez être témoin... Et on va pouvoir tous se regarder et faire
Ah ouais, mince, quand même. Et comme on... Il va avoir cet effet de groupe qui va moins me... qui va me permettre de moins avoir envie de tout balancer par la fenêtre. La quête du jeu, le moyen ultime. Alors, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. On va dire que ce changement. Et bonsoir, Ray. Cette modification, parce que c'est pas un changement, faut peut-être pas abuser. Cette modification peut amener deux choses. Première chose, si je ne tombe plus sur des jeux moyens, ou alors beaucoup moins rarement, il se pourrait que je me rende compte qu'il va falloir refouiller, regratter la terre. Parce qu'on a perdu, on s'éloigne du souhait originel. Hop. Et si... Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est, si ça se trouve, ça va être bien. Ça va juste être bien, et ça a été le point déclencheur. Merci à Seven Guest qui nous a sauvés. Et merci à No More Heroes. Parce que mine de rien, No More Heroes, ça a été la première claque. On a pris une bonne claque dans la tête. No More Heroes m'a fait me remettre... m'a permis de me poser des questions vis-à-vis... vis-à-vis de mes choix. Et ouais. Les opérations de magie divine sont très fatigantes. Oh, l'acte de purification se nourrit. Mmh. Mais donc là, ça fait quand même deux fois qu'elle nous dit qu'elle va y passer. Faut qu'on arrête. Nous prions pour les âmes tourmentées. C'est dommage quand même. Okay. Alors je vais voir si je peux tricher. Ah mais du coup dans le doc Console Mania, tu as remis No More Heroes de ce que j'ai vu? Oui. Mais ne t'inquiète pas, je regrette déjà. Avant même d'avoir rejoué, je suis déjà dans le regret. Alors, si je fais ça, on gagne un peu de magie. On gagne pas de niveau. On perd des PV apparemment. Mais on gagne de la mana. On a un croc. C'est de la merde. Et en plus, il est dégueulasse. Pas parfait. Non. On gagne de la mana. Hein. Bon, on va aller nettoyer, oui. Des bisous, et Kakune. Courage. Hop. C'est la punition de Yellow autant que la tienne. Non. N'oubliez pas que on ne peut pas enfermer Yellow Croc là comme ça. On peut pas. J'ai envie, tout le monde a envie, mais on ne peut pas. C'est Motoko. On n'a pas le droit. Non, pas le droit. Ouais, c'est pas fou, hein. Pas fou, cela, hein. Les Vosges, zone protégée. Si, il refait tout, il va pas continuer en... Non, mais... Disons que... C'est bon. On le connaît un petit peu. C'est bon, il a le droit de faire des erreurs.
C'est quoi, regarde. Voilà, c'est bon. Vas-y, là, je vais dire un truc que je vais regretter. Et dans 6 mois, vous me le ressortirez. Et comme ça, vous allez pouvoir bien me saler. J'ai décidé que... j'ai décidé avec... Ah, tu parlais pas de toi. Je parlais de toi. Ah. Il va pas... Ah. J'ai décidé de donner le... De donner un autre collier. Un autre collier d'immunité. Félicitations. Merci Ray, merci d'offrir un abonnement à Aleosus. Bonne chance. Je resterai ici à attendre ton retour. C'est très gentil de ta part. Mais oui, je donne un autre collier d'immunité, je le donne à Yellow. Alors attention. N'oubliez pas que j'ai pas encore expliqué qu'est-ce que fait ce collier. Hein? Non mais je vais recommencer, je pense, en... Je vais recommencer en doux. J'ai hésité. Le collier d'immunité... sert... Enfin, ça veut... Ça veut dire qu'il peut, il a le droit, il se peut, il a le droit de... Non, il a le droit de me conseiller des choses, il a le droit de parler. Une arme puissante, rien de... Et voilà. C'est un collier à nœud coulant, voilà. Il a le droit de respirer. Il peut me conseiller un jeu. Je peux prendre en considération ce qu'il va dire. Je vais prendre en considération ce qu'il dit. Parce que je pars du principe que ce n'est pas une personne qui soit ne comprend pas ce que je veux comme cousin, soit me veut du mal comme personne ici. Mais bon, il doit bien avoir des petits malins, quoi. Et les petits malins. Mon totem, il est mieux que le collier. Oui, mais Sèvres, toi, c'est pas pareil. Toi, c'est pas pareil. Tu n'es pas atteint du même mal... le mal du dino le mal du dino te permet de passer au-dessus de tout ça. T'es vraiment le pire. T'es tellement le pire que là, je vais couper en deux, là. Je vais le couper en deux, là, lui, là. Paf. Zéro. Trop bien. Zéro. C'est pour tes parts dans Dinomino, bien sûr. Bien entendu. Non, je dirais que... voilà ce qui s'est passé. Alors, je vais vous raconter très succinctement l'histoire... de Sèvres et l'histoire de Yellow Croc vis-à-vis de leur proposition. Disons que quand Sèvres m'a parlé des jeux auxquels elle a joué et parfois des jeux qu'elle m'a pas conseillé, mais elle se dit tiens, ça pourrait peut-être t'intéresser, j'ai eu l'impression, peut-être que attention, peut-être qu'elle me manipule depuis le début. J'ai eu l'impression que on était déjà, on était assez proches en termes de vision, ou en termes de vision, même si ça veut rien dire, c'est pas grave, ça fait joli dans la phrase. Et elle m'a cité des jeux tout éclatés. Parce qu'elle y a repensé, bref et tout.
C'est pas de la bienveillance, mais il y a l'air. Elle a l'air d'avoir une certaine lucidité. Voilà. Et je ressens pas un surenthousiasme complètement exacerbé, complètement marseillais pour voilà. Ton couteau faisait pas plus mal? Normalement, non. Mais là, ça doit dépendre de l'ennemi. Bref. Je pense que vous avez compris. Alors que Yellow est une autre créature. Il a été associé avec une autre cré... enfin avec autre chose. Enfin plutôt il est associé à autre chose. C'est-à-dire que c'est comme Yellow, il a voilà, comme dit Sev, on a regardé les trailers, on a ri, c'était bien, voilà tout. Voilà. Alors que Yellow déjà il a succombé à la nostalgie très rapidement. Plus, il a succombé à l'enthousiasme très rapidement. Et aujourd'hui, il est. On peut dire que il n'est pas guéri. Voilà. Et je pense qu'il ne sera jamais guéri parce que lui, il ne voit pas ça comme une maladie et c'est pas une maladie. Et ce que je veux dire par là, c'est que bon, il voilà, lui, il tousse, il le vit bien d'être comme ça. Et dans un sens, parfois, il arrive que je Il m'arrive d'être envieux de sa position. Et de ses émotions. De ses expériences. Ou de la manière dont il vit ses expériences. Ça m'arrive. Mais ça m'arrive, enfin ça arrive autant que je sois gêné que je sois satisfait. Oui, satisfait. Pas satisfait, mais envieux. La phrase était bien. Non, je suis autant horrifié que envieux. Voilà. C'est mieux dit comme ça. C'est une relation instable. Ouais, Jet Cocoon, j'avais pas vu ça depuis longtemps. Bah voilà. Là, tu le vois. Tu l'as vu. Et c'est pour ça que je lui donne le collier d'immunité, parce que, en fait, si vous voulez, bon, allez, on va dire la vérité, parce que là, j'ai dit collier d'humanité, non, d'immunité. Mais bon, on va pas se mentir, on sait très bien que c'est un bracelet électronique afin d'éviter, voilà. S'il se passe quelque chose, j'appuie sur un bouton et ça envoie une décharge, bien sûr. Bien entendu. La décharge au jeu, hein, pas à lui. Je coupe le cordon, quoi. Bon, ça sert à rien de faire des combats, comme vous pouvez le voir. Ah, donc là c'était juste pour faire joli. Apparemment. Et comme Fox, t'en penses quoi toi? Pas besoin d'XP, non j'ai trop d'XP. J'ai fait 4 combats, je suis déjà trop élevé en niveau, j'ai l'impression. Ah ça y est, là je pense que c'est le boss. Allez, on a dit que ce boss allait décider
de comment va se, vont se passer les choses. Enfin, vont se passer la suite du jeu. Tout va être décidé avec ce combat. Si le combat, si je roule sur le jeu, si le combat c'est pas un combat, aïe aïe aïe. Si le combat est inexistant, aïe aïe aïe. Vittel, c'est écrit que Vittel a planté 10 000 arbres, sapins dans les Vosges, un partenariat. Sûrement, bien sûr. Tu es un maître des cocons, n'est-ce pas? Ah bah alors, Voice of Card, c'est dommage parce qu'il y a SMT qui est arrivé. Et Voice of Card, il a fait. Tu n'es pas drôle. Tu ne sais donc pas qui je suis. J'ai peine à croire. Je suis l'être le plus fort et le plus beau de la forêt. La plupart des gens. Très bien. Après, ouais, je suis une légende dans cette forêt. Mais la célébrité a ses inconvénients. Tu peux m'appeler Kikinak. Ouais, mais j'ai pas envie que tu parles. Bien. Voilà, allons-y. C'est parti! Ça me paraît tellement dur comme jeu. Ça va. C'est lui le boss. C'est l'homme l'oiseau Kikinak. On nous a expliqué d'où il sort, machin, tout ça, bref. Voilà. Attention! Ouais. SMT, Super Mario Tennis, bien sûr. Bon, bah, c'est un random. Hein. C'est un random. Quatre coups, le boss est mort. Et encore, j'ai pas utilisé l'attaque haut à chaque fois. Oh là là. Il y a peut-être une deuxième phase. Félicitations. Et merci, Pinter. Merci beaucoup pour ton prime. Paf. Bien, bonjour. J'ai même pas prêt. Ah ouais, bon. Mouaou. Je ne te connais que par Widir, mais je reconnais. Ouais. Tu viens de Cyrus, c'est ça? Si je peux être d'une quelconque utilité, n'hésite pas. Voilà, donc il va me on doit lui demander la poudre pour sauver tout le monde. Donc l'herbe de Calabas là. Ou non, ou l'herbe, c'est lui qui doit savoir où elle est, ou bref. Il se passe des trucs. Mais ton main l'herbe a gagné que dalle en XP. Oui, tu ne gagnes pas d'XP avec ton personnage. Ah non, c'est bien la poudre. Je la tiens de mon ami Yamou, qui la récolte dans la forêt de l'araignée. Ah, donc là, il va falloir aller à la forêt de l'araignée. Dans la forêt de l'allée des mules, tu ne trouveras que des spores du sommeil. Si c'est l'herbe de Calabas que tu chies. Très bien. Lui et sa famille. Oui. Si tu leur donnes une chose. Oui. Mais l'avarice et la cupidité les étouffent. Oui. Oh. Sans elle. Très bien, donc il me donne la clé. D'accord. On va lui demander pour l'autre personne. Quoi ? Tu n'as jamais entendu parler de lui ? Comme c'est étrange. Ouais, je demande de la coke pour sauver les gens. Mon jeune ami n'a pourtant pas l'habitude de taire ses prouesses. Tu ne vois pas qui c'est ? Il s'appelle Kelmar. Il est très fort, tu sais. Ah, Kelmar, c'est le mec qui était avec le guetteur là. Je sais c'est comment il s'appelle. Louis ? Tu le connais ? Oh, mais alors c'est toi, le maître des cocons dont il parlait. Décidément, le monde est petit. Quel marmar. Il disait, personne n'est plus fort que moi, mais ce n'est pas la force qui fait la puissance d'un homme. Très bien. Il a de grandes qualités. La force. D'ailleurs. Eh, c'est bien. Eh bien, bye bye. Tu pars déjà? Alors, garde-le toujours sur toi. Je te. Bien sûr. Ocarina. Bon. On va revoir Mémé. Oui.
Donc là, il annonce le troisième boss. Triste. Cette poudre est donc fabriquée. Mmh. Ceci. Oui. Mais la quantité de poudre que tu as rapportée. Oui. Tu dois. Oui. Nous devons. Oui. Certains esprits divins sont perfides et malveillants. Si Kikinak a dit vrai, l'homme de la forêt est l'incarnation de Mammon, l'esprit déchu de la légende Nagi. Mammon était un émissaire d'Elrin. Mais sa cupidité, Très bien. Son avidité était telle qu'Elrin en... Très bien. On raconte qu'un... Très bien. Si Kikinak est Amos, l'esprit divin, qui succomba à la tentation de la chair, alors Yamou, l'homme de la forêt. Oui. Les condés. Oui. Chen. Oui. Le vieux gardien. Voilà. Donc c'est bon, on a discuté. Tu dois percer le secret. On va dans la forêt de l'araignée. Et on va continuer à taper des monstres. Parce que c'est notre destin. Mais avant cela, je pense, on va aller voir Kelmar, là, l'autre. Le fils du forgeron. Peut-être qu'il a un truc à nous dire. Pour te transformer en araignée, non. Alors après, j'espère que le boss, c'est pas une araignée. Parce que bon, je vais mal le prendre. Alors t'as battu Kikinak ? Ouah, on dirait que t'es devenu plus fort. Kelmar n'est pas là aujourd'hui. Si t'as besoin de quelque chose, t'as qu'à me le demander. Il est là, mais bien sûr, il est là, regarde. Il est là. Salut. Alors, t'as vu l'homme oiseau? Ah oui, faut que je fasse quelque chose. Je me ferai pas avoir cette fois. Ah, tu n'es pas au courant? Désolé, je voulais te prévenir, mais j'en ai pas eu le temps. La sphère divine a été percée, et les démons ont attaqué le village. À propos de cette histoire entre Kikinak et moi, n'en parle pas à mes parents, s'il te plaît. S'aventurer dans la forêt sans leur permission est une chose, mais se lier d'amitié avec un démon en est une autre. Ah, c'est comme SMT, hein. C'est pareil. Dis-moi, est-ce que Kikinak t'a raconté son histoire? Toutes ces fables mêlant allègrement oui Dieu et fées, je ne sais pas où il va chercher tout ça. Et le doublage est pas trop mal. Mais j'imagine que tu n'as pas de temps à perdre. Ah bon? Tu crois que Kikinak a tout inventé? Ouvre les yeux. Tu crois vraiment qu'il était aussi puissant qu'il le dit? Il se vante sans arrêt. C'est un fanfaron, c'est tout. Ouais, je suppose que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Oui, c'est bon. Et il me demande qu'est-ce que j'en pense et... Oui. Tout a changé au village. Appuie sur les boutons. Des Oni-Boubou. Personne n'est épargné. Pour Shin Megami Tensei, SMT. C'est pour ça qu'ils ont envoyé un maître des cocons dans la forêt. Et Mabou risque sa vie pour purifier ses cocons. Voilà. Ok. Ça me donne pas trop d'infos. Normalement, je dois avoir de nouveaux objets. En même temps, j'avais pas vu ce jeu depuis 20 ans. Ouais. Que t'as envie d'y rejouer? Bah, les parents savent toujours à quoi jouent leurs enfants. Merci de m'avoir aidé à protéger cet idiot. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais Kelmar a de la chance d'avoir un ami comme toi. Mmh. Prends ceci en signe de ma gratitude. Oh. Très bien.
Par contre, je crois que l'arme qu'il m'a donnée... Oh. Oh là, le pognon qu'il faut avoir! Oh! Le pognon. 2000, c'est cher, surtout que c'est moins fort, mais c'est très rapide. Je pense qu'on va essayer de récupérer cette arme. Je crois qu'il n'y a que ça à faire. Voilà. Ainsi que ça, la veste divine. On a besoin d'argent. Donc on va capturer tout ce qu'on voit. Je capture tout. T'entends, je prends tout. Si tu as besoin d'une arme encore. En même temps, j'avais pas... Oui, d'accord, oui, je sais pas. En vrai, c'est un ami qui me l'avait... qu'il avait quand j'étais gosse, le boîtier était stylé. Oui, d'accord. On raconte que Fio et Mabou ne s'entendent pas très bien. C'est totalement faux, n'est-ce pas? Mmh. Ne fais pas attention à ce que disent les gens. Oui. Chérie, ça suffit. Oui. Ça ne nous regarde pas. Elle se moque des autres, mais elle fait la même chose, l'air de rien. Oui. Oui. Vous autres, les hommes. Oui. Et puis tu vois. Oui. Attends. Je voulais juste t'aider. Prends soin de ta mère et de Mabou. Et surtout, ne deviens oui, pas... Oui, oui, oui. Allez. C'est très verbeux pour dire pas grand-chose, mais là, ton air déprimé me donne pas forcément envie. Comment ça, mon air déprimé? J'ai grand sourire sur les... sur le visage, là. Je m'éclate. Ça se voit pas? Regarde mieux. Concentre-toi. Non mais le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il va falloir lui mettre une note. Je peux pas lui mettre une note... Je peux pas lui mettre une note rouge. C'est impossible. Mon mauvais... Impossible de lui mettre une note rouge à ce jeu. Oui. En gros, si tu suis les histoires des habitants, tu peux avoir... T'as des sortes de quêtes secondaires, en gros ? Peut-être. Mmh. Ah donc là il parle de ma femme. Très bien. Alors qu'elle a 12 ans. Hein. Oui, qu'à nous sommes, c'est un mariage forcé. Mais bon, est-ce que vraiment ça vous intéresse de parler de ça? Non. Non, c'était pas ma mère là. C'était des randoms. Ma mère, elle doit être chez moi. Vite. Je vais voir ma maman. Mais non, mais je sais que... Non, le jeu est pas long. Le jeu est pas long. Là, on a déjà fait... Waouh, 80%. Ah, je suis contente de te voir. Comment vas-tu? Dis-moi si je peux faire. Non. Bon, allez, vite fait, à voir s'il y a une quête. Je m'inquiétais pour Mabou, alors je suis allée la voir pendant ton absence. Et nous avons parlé des coutumes Nagi, de la vie, de ton père et de moi. J'espère que je ne l'ai pas trop. Elle n'a sans doute pas besoin de deux femmes pour veiller sur elle en permanence.
Je voulais simplement qu'elle comprenne qu'il existe de nombreuses façons d'exprimer son amour à quelqu'un. Oui, donc Mabou, c'est ma... C'est... Ton père et moi voulions protéger notre c'est la fille avec qui, normalement, même si pour cela, je dois me marier. Et donc ma mère, elle allait voir... Enfin, sa mère, elle allait voir donc cette fille-là pour lui dire... T'as intérêt de bien t'occuper de mon fils, sinon je te défonce. Ne s'accomplira que lorsque vos deux cœurs ne feront plus qu'un. Et sauf que bah Mabou, donc vu que c'est elle qui purifie tout ce que je lui, toutes les créatures que je lui amène, bah disons que elle a la pression, des deux côtés quoi. Trop bonne ambiance. La mère et Mabou, ouais. Je ne t'ai jamais parlé de ma dernière journée avec ton père. La nuit qui a précédé son départ, ton père m'a dit. Peu importe combien de temps je ferai respecter la tradition et je guérirai le mal qui étreint le monde. Je crois que la véritable purification est celle qui guérira la femme que j'aime. Si elle rime et le vrai Dieu, alors je trouverai la solution dans la forêt qu'il a lui-même créée. Je trouverai le secret de la véritable purification et je reviendrai auprès de toi. J'ai été élevée dans la tradition Nagi. Je devais accepter un destin que je savais inéluctable. Mais les paroles de ton père m'ont apporté une profonde paix intérieure que jamais auparavant je n'avais ressentie. J'étais enfin libérée du poids du destin et des contraintes de la tradition. Regarde, je souris, comme Fox. Pour la première j'aime bien, là. Nous étions libres de ne penser qu'à nous. Ah, je prends du plaisir. Jamais plus je n'accomplirai l'acte de purification sans ton père à mes côtés. J'ai décidé de l'attendre. Mabou et toi trouverez peut-être le secret de la vraie purification. Vivez pour vous et pour personne d'autre. Oui, ressemblance. J'espère que tes choix seront les bons, mon fils. Oui, j'ai compris. Très bien. Donc, donc là, c'est bon. On est retourné vers maman. On a perdu notre temps. Et maintenant, je ne perdrai pas plus mon temps la prochaine fois. Je pensais que ça allait peut-être m'amener, me donner quelque chose de bien, enfin de bon. Mais apparemment, pas tant que ça. Donc, pas foufou, quoi. Et non, hein, ne comparez pas ce jeu à Pokémon. Hein. Il n'a que l'idée. Il n'a que l'idée, je dirais. Il lui manque... C'est un mirage. Non, c'est pas Pokémon Lidl, c'est pas un... Il y a de la capture et tout, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Merci à tous. C'est pas Wish, parce que ça voudrait dire que c'est moins bien, non. C'est pas moins bien, c'est juste chiant, en fait. Voilà. Ouais, c'est juste chiant. Chiant donc moins bien? Pas... Non! Je suis pas d'accord avec ça. Version 3e âge, exactement. Non, il y a des gens qui aiment se faire chier, exactement. Je suis désolé, il a très raison. Stuff, à partir de maintenant... À partir de maintenant, tout jeu chiant, je suis pas le public, quoi. Là, le fameux « je suis pas le public ».
Allez. C'est très beau ce qu'il a dit en tout cas, Mr. F. Et comment tu te fais chier dans ton domaine, toi, Mr. F? Raconte-nous. J'ai pris un niveau! Wouh! Je vais me coucher quand je me fais trop chier. Bah alors, du coup. Ça va pas ce que tu dis? Oh, je suis un expert! Je suis un expert! Oh! Je suis un expert. Trop fou. Est-ce que j'ai envie de. Ouais, on va. Expert des cocons, ouais. Mince. Aïe, 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 aïe. Donc non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux lui. Casser ta gueule. Alors par contre, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il semblerait que nous ne gagnions pas d'attaque. Je gagne des niveaux, mais je ne gagne pas d'attaque. Je comprends pas. Oh, je suis pétrifié. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas attaquer? Parce que normalement, pétrifié, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Pas du tout. C'est pas avec les fusions. Si, sauf que les fusions ont l'air de poser un problème. Enfin, moi, me pose un problème. J'ai l'impression que c'est plus chiant de faire une fusion que de choper une créature d'un niveau plus élevé. Voilà. Et si c'est le cas, bah autant te dire que j'en ai rien à faire. Déjà que le menuing c'est lent, alors en plus si je dois m'amuser à. Je sais ce que je vais dire. Je roule sur le jeu là actuellement. Je peux jouer avec mon nez. Mon nez, les yeux fermés. Ouais. Donc, disons que l'association de créatures me semble pas très... Il naît trop fort, bravo. Mais attendez. Je viens d'avoir une révélation. Je suis en train de jouer en 50 Hz. Si ça se trouve, le jeu il est lent du cul. À cause du 50 Hz. OPTN. Tu sais, même en 144 Hz, on se ferait toucher. Non, mais je te sens énervé, là. Tu veux pas un petit café, là? Pour t'énerver encore un peu plus?
Je crois que je vais retourner me coucher. Mais c'est pas possible. Mais Mister Ruff, tu fais combien de siestes par jour, là? Faut arrêter au bout d'un moment. Bah après, enfin, jouer en anglais serait chiant. Serait chiant parce que on n'aurait pas les animes, enfin on n'aurait pas la VF. Non, je préfère jouer en 50 Hz. Mais j'ai un doute quand même que ça soit ça le problème. Mais, je n'y avais pas pensé. Habituellement, j'en fais pas, mais je me suis couché à 3h30 cette nuit à cause d'un jeu de stratégie de ses morts. Mais attends, mais what the fuck? Mais t'es pas du tout comme je pensais en fait, Mister Ruff. Moi je pensais qu'à 21h t'avais pris ta soupe et c'était et t'étais pas loin d'aller te coucher. Mais en fait non, tu m'as menti. Tu fais la bamboula. Tu peux pas forcer le 60 Hz, non. C'est compliqué. Enfin c'est chiant. Surtout que ma console elle est... C'est une pâle, donc si je passe en 60 Hz, ça va être, elle va pas trop aimer. Je pourrais, mais elle aime pas trop. La voleuse de vie. Dans Stellaris, ouais, voilà. J'ai l'impression qu'il vient de me dire waouh, les mecs, je me suis couché à 4h du matin, j'étais sur une partie de des mineurs là, c'était boire. Pardon. Bon, bien sûr, on rigole. Mister Ruff, tu vois, tu sais quoi? Allez, je suis vraiment en ce moment, je me sens bien là. Je dirais que toi aussi, t'as un collier d'immunité. Mais alors, par contre, non, en fait, non, t'as pas un collier d'immunité. Toi, t'as plutôt une bague d'immunité. Une bague d'immunité, parce que quand même, faut pas abuser. Ou alors un papier d'immunité. Je suis un peu d'accord avec toi. Oh là là, une gourmette d'immunité. Il y a marqué ton nom dessus. Un serre-tête. Quelle ride l'épreuve de confort? Bah personne hein. C'est moi qui l'ai bouffé le riz en fait. Ouais. Ouais. Je préfère le garder pour moi. On gagne du niveau. Mais oui, ils s'en souviendront. T'inquiète pas, ils s'en souviennent. Hein. Attends, faut quand même... Rappelez-vous que Yellow, il m'a fait un croche-patte dans l'escalier. Et là, quand même, je lui ai offert un café et je lui ai proposé de dormir à la maison. Hein. Bien sûr qu'il va s'en souvenir. Hein. Ah, il arrive bien à se souvenir tellement que je suis un peu... Non, il arrive à se souvenir... Il se souvient bien plutôt que moi je me souviens de rien. Crois-moi, ouais.
Après, en ce moment, Yellow, il est un peu perdu. Alors lui, il vous dira que non, mais parce que tout est prêt, tout est prévu, ou alors il est en plein contrôle de la situation, mais voilà. Depuis qu'il a acheté FIFA, c'est plus le même. Voilà. Il a changé. Ah, un autre boss ? C'est bien ma reine, je vous jure. Hey, petit ! Allez, ouais, un autre boss. Zizou, je m'envole, ouais. Pas mal, j'aime pas mal, pas mal, j'aime bien. Franchement, Zizou, je m'envole, elle est vraiment bien. Elle est aussi bien que ma Jeep, l'assemblée. Ma Jeep tout. Ah, Zizou, je m'envole, c'est pas mal quand même. Ma Jeep l'assemblée, c'était la. Finalement, c'est la même chose. Vous partagez un peu le même type de blague. Alors, on change. Ça fait pas très mal, hein. Ah, quoique, ça fait pas très mal, si c'est pas mal. Pas mal. En fait, vous savez, là on dirait que depuis 6 heures, je suis au début du jeu. Je suis avec mon chenipan là et on fait charge à l'infini. Voilà. Charge mimique et c'est ça le jeu. C'est le nat. C'est un peu... Ouais, voilà. En fait, c'est bon. Jade Cocoon, c'est un peu Pokémon, mais que avec l'attaque charge. Non, mais c'est ça. C'est bon. J'ai trouvé. C'est la bonne description. Je suis extrêmement satisfait de ma description. Et ouais. Pokémon du pauvre. Non! On a dit non! Ah là, je reviens au même endroit. Ah non, je sais pas où je vais, hein. Vraiment. Non, mais t'as bien vu que les attaques magiques, on se. Ah bon, voilà. Stop, 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 stop. Bah tu n'as qu'une attaque.
Oui, je n'ai pas qu'une attaque, mais... Enfin, si, j'en ai qu'une, mais en fait, j'en ai pas qu'une, mais... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Oh, il attaque son boule. J'ai pas vraiment entendu ton argument. Bah, il y en a pas. Je... Pourquoi je donnerais un argument? Non, mais... Voilà, mon argument, c'est... Voilà. Il n'y a pas besoin d'argument. Regardez le jeu, c'est bon. Vous l'avez vu, là. Tu le vois avec tes yeux comme je le vois avec les miens. Je suis pas venu pour souffrir, bordel. C'est quoi le jeu d'après? J'ai oublié. Ah, c'est Pandora's Tower tout de suite! Ah bah voilà! Ah bah ça va être bien! Très bien. Ah! Quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Maintenant. Un 06. Ah alors. Deux secondes. Bah c'est Mamazon. Mais pourquoi Mamazon il m'appelle? Moi on n'a pas commandé quoi que ce soit là. Mamazon là ils veulent me livrer alors qu'il n'y a rien à livrer. Ils sont fous. Non mais ça fait plaisir, j'ai envie de vous acheter de... Non mais envoyez-moi des trucs, vous avez raison, ouais. Ils sont fous. Ils sont fous. C'est le fan qui appelle pour s'excuser du retard. Ah ouais? Oh trop bien. Ah, tu tombes bien le fun. On t'attend depuis ce matin. Et oui, le casque est réparé, le câble est changé. Voilà. Quelle histoire. Alors là, par contre, faut vraiment arrêter de m'appeler. Oh, mais stop! En plus, je comprends pas. Il y a quelqu'un. Alors, est-ce que ça vous fait ça? J'ai un message, apparemment. Il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler. On m'envoie un message pour dire qu'on essaye à me joindre. Qu'on essaye de me joindre. Mais en fait, si t'essaies de me joindre, bah t'as qu'à appeler. Je sais pas, moi, regarde, mon téléphone, il est là, appelle. Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe, Nîmes?
Regarde, oula. Oui, je regarde. Je vois tout. Les affiliés ont 5 emotes de base. Ah, on a 5 lots de... Oula. Ah, ouh, d'accord. Ah oui, j'avais pas compris, oui. Et 5... What the fuck? Genre comme ça, là. Genre Twitch, ils ont craqué? Non. What? Bah c'est cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Bah voyons, Guilla. Et est-ce que j'ai envie de me battre? Non. Des bisous à la flotte. Du coup, tu vas pouvoir faire ton Kirby qui tombe. Mais elle est nulle, mon épée. Pourquoi mon perso, il est nul? C'est quoi le concept? En plus, le pire dans tout ça, c'est que je lui enlève de la vie. La vie que je lui enlève, je la récupère. Et la vie qu'il m'enlève, je la reprends. ce qui est au final extrêmement étrange. C'est pour compenser la baisse des prix des subs. Ah, m'en parlez pas, s'il vous plaît. M'en parlez pas. Ce mois-ci, c'est le moment où on vient de passer à 75%, là. Ce mois-ci, je mange même pas des pâtes. Ce mois-ci, pas de chauffage. Bah d'ailleurs, j'ai commencé. Vous avez vu, j'ai commencé. Non, en vrai, je sais pas. Faudra attendre la fin du mois, de toute façon. On verra. Oh, je l'ai défoncé. Patrick Sébastien et Emilia Sleep. Non mais c'est bien de d'avoir des voilà d'avoir des rêves, enfin de penser. Oui. Comment? Oui pour des. Oui. Oui. Oh, bah là non, c'est même pas Dubaï là, je m'en vais à Malte. C'est le contraire, je fais le contraire de ce que ferait une personne. Ouais, je fais le contraire de ce qu'il faudrait faire. J'ai décidé que moins je suis riche, plus je vais dans un endroit qui coûte cher. Voilà. Qu'est-ce que tu as à faire? Voilà. Encore quelqu'un qui essaye de m'appeler mais qui m'appelle pas. C'est son téléphone qui marche pas, c'est pas possible. Petite question Twitch, prend la même part sur les abonnements que sur les bits? Non. Non, sur les abonnements, c'est pas la même chose. Félicitations! Merci, Kaoro. Eh bien, carénage à toi également. Merci pour ton Prime. Quand tu prends des bits, Enfin, c'est toi qui payes
la part de Twitch et moi, en fait, je prends tout. Je prends tout. Ce que tu m'envoies, c'est toute la somme est réversée. Bon, après, c'est en dollars, donc comme c'est en dollars, bon, c'est... Il faut c'est le changement, bon, bref, c'est un peu relou, mais... Et dans l'idée, la part de Twitch, c'est zéro sur les bits. Sur les subs, non. C'est des arnaques téléphone? Non, c'est pas des arnaques téléphone, c'est Amazon. Apparemment, c'est Amazon, sauf que le problème, c'est que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent continuer à m'appeler toutes les 5 minutes, hein, mais tant que personne n'essaiera de m'appeler pour de vrai sur le téléphone... Enfin, oui, tant qu'ils n'arrivent pas à m'avoir sur le téléphone, moi, je peux rien faire. Qu'est-ce qui est plus rentable pour moi, les abonnements ou les bits? Si c'est la question que tu te poses, je te dirais que c'est deux choses différentes et que les deux... C'est différent. Tout dépend de la personne. Alors les dons en direct, bonjour pingouin... Moi, je n'ai pas de système de dons. Parce que c'est chiant pour la comptabilité. Ah, j'ai une porte fermée. Les dons en crypto, bien sûr. Non, mais si vraiment... Voilà, non. Ce qu'il a voulu dire, pingouin, je pense que c'est les billets. Voilà, les chèques... Enfin, non, pas les chèques. Ah, les billets, envoyez-moi vos billets, vos liasses de billets. Les dons en nature. Exactement. Non mais, c'est plus intéressant un abonnement quand une personne s'abonne et qu'elle n'est pas abonnée parce que ça permet de créer... Enfin, comme la fréquence, elle est chaque mois, bah, ça permet de s'assurer d'une somme qui revient donc chaque mois et c'est le salaire quoi. Un petit salaire assez agréable. Même si la part de Twitch est non négligeable. Et les bits, certes, je gagne plus avec, mais les bits, c'est pas un souci, c'est juste que les bits, il faut plus voir. Je vois plus ça comme, je sais pas, un petit happening, il se passe un truc, un truc de fou, quelqu'un balance des bits, waouh. Voilà. Alors qu'un abonnement, c'est plus récurrent. Waouh. Récurrent mais ponctuel. Merci Big Jim. Waouh! Il se passe des trucs de fou! Regardez, je vais faire une attaque. Happening. Paf! Happening. Alors bon, c'est vrai que dans le jeu, par contre, les happenings, voilà quoi. C'est compliqué. Mais après, facilitons les choses. Il n'y a pas de. Félicitations. Merci, Guilla. Merci d'offrir un abonnement à notre cher pingouin. Il n'y a pas de meilleure manière. Genre, est-ce que c'est plus intéressant les bits, les subs, les machins et tout? Choisissez ce qui vous arrange le mieux, le plus, et puis si vous voulez donner, et puis basta. Dans tous les cas, je me satisfais de tout. P-
Parce que si je vous encourage à faire l'un ou l'autre, ça crée un déséquilibre. Et le déséquilibre, certes, ça peut me faire gagner à court terme plus d'argent. Le souci, c'est que à moyen et à long terme, c'est... Si Twitch décide de changer quelque chose et que ça va plus avec la manière dont j'ai présenté les choses, bah v'là, réexpliquer à tout le monde, là, et... relou. Jackpot. Merci, Cookie. Merci pour tes 100 bits. Un streamer comme toi gagne combien en dollars? Pour un bit reçu? Bah, un centime. Un centime de... Enfin, un cent. Donc plutôt pour 100 bits, 100 bits c'est 1 dollar. Merci. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et mais moi, les autres aussi, hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Ah. Attendez, je reviens. Ça a sonné à la porte. Et je pense que Célia n'entend pas. Exceptionnel! Merci! Merci Scorbrut! Oula! Pourquoi ça a sauté? D'accord. Bon. Merci beaucoup pour tes 500 bits, c'est très gentil. T'as un cent par bits. Ouais. Ouais. Je remets la caméra, vous inquiétez pas. Je remettais juste mon. C'est le don en nature. Comment ça, le don en nature? 100, c'est 1 balle. Oui. Oui, je disais que tout le monde avait la même somme. Non, mais de toute manière, on répète. Attention, c'est peut-être polémique ce que je vais dire. Non, c'est pas polémique. Mais jouer le jeu jouer le jeu de Twitch et c'est tout, quoi. Sinon, si tu le joues différemment de Twitch, autant pas passer par le système que Twitch propose, quoi. Voilà, c'est tout. Et si t'as pas envie de passer par le système que Twitch propose, ben déjà courage, parce qu'il va falloir faire en sorte que expliquer à tes viewers les machins, faut que les viewers adhèrent au truc. Bref, c'est quelque chose qui est pas simple à mettre en place. Et puis, de toute façon, Twitch va mettre en avant son système à lui, donc... Donc voilà, quoi. Comment ça, je me suis fait tout shot, là? Ok, très bien. Il n'y a pas de game over. Très bien. Bah, je vais pas me plaindre. Je vais prendre Manoa Sauvage là. Voilà. Et on y retourne. Ah, Yoritomo, tu tombes parfaitement bien. Assis-toi. Allez, prends un siège.
J'espère que tu as passé une bonne journée. J'ai des questions. Alors, je vais pas te dire ça se passe comment. Voilà, je vais pas te dire, mais je vais te poser des questions. C'est la surprise. Es-tu prêt à répondre à mes questions ? C'est chiant. Bon, c'est chiant. Oui, envoie. Qu'est-ce que tu penses de le Jet Cocoon, toi? Qu'est-ce que tu ressens? Vas-y, raconte. On t'écoute. Salut Lily, bonsoir. Petit jeu sympa, ça avait été une bonne découverte. Quand ça? Je l'ai fait il y a 20... Ah, mais il y a 20 ans. Ah! Tu me facilites pas les choses, hein. Bah oui. Vous ne me facilitez pas le travail. Eh bien alors, bah, y a rien à dire à part que... Je démarre par quoi? Les bons points ou les mauvais points? C'est toi qui choisis. C'est vrai. Bah oui, bah c'est... Oui. Oui, Frozen, oui. Je, oui. Les mauvais. Bon, je vais dire les bons, c'est mieux. Le jeu est très beau. Il est doublé. Le doublage est ok. Et même bien. L'histoire a l'air d'être... Voilà, pas cohérente, mais voilà, il y a quelque chose. C'est horrible. Je ne veux pas dire original, mais ça va, ça passe bien. Non, il n'y a pas grand chose en termes visuellement parlant, en termes de son, musique, il n'y a pas tant de défauts. Je sens que tu vois le jeu, tu dis ah ouais, la PS1, il y avait un truc quoi, elle avait quelque chose. Et puis après, tu touches la manette, et là. Et là, l'émotion. Là, tout de suite, les Kickleberry. Mais j'en ai pas de Kickleberry.
Bah si tu veux, mais j'en ai pas. Ah si, j'en ai. Et là c'est compliqué. Donc on lui pose des questions. Ok, très bien. Donc elle sait pas. Très bien. Et Yamou. Attends, elle m'a dit quoi? D'accord, très bien. D'accord, très bien. Allez, salut. Donc je cherche son frère pour lui casser sa gueule. Je veux le briser en deux. Donc du coup, oui, voilà. Alors... bon, Yoritomo. Disons que. Il n'y a pas trop de challenge dans le jeu. Et le système de Pokémon est très. Très. Peu profond. Et on se fait un peu... on s'ennuie un petit peu, quoi, ouais. Ouais, ouais. On passe pas un mauvais moment. On passe un moment. Disons que ce moment, il est... Ça m'intéresserait presque plus de faire ma vaisselle, quoi. Mais elle est déjà faite, malheureusement. Les mots sont durs. Mais vous savez que j'aime bien faire la vaisselle. Donc après, voilà, on sait pas trop. Voilà. On peut se poser des questions. Donc oui, le jeu est très facile. La collecte est pas méga intéressante. Le jeu est très lent. La narration est sympa, mais il est un peu verbeux. Et bah, comme tout est un peu lent, tu vois, t'es... Bon, voilà. Et bon, bah... Ouais, c'est un jeu qui, il y a 20 ans, était... assez impressionnant, je suis sûr, et aujourd'hui, Non, mais vous savez ce que je vais dire, je crois que je préfère jouer à Billy Hatcher. Pas dans le sens, j'ai envie de refaire Billy Hatcher, mais je sais pas... J'ai l'impression d'être stimulé. Le jeu ne me stimule pas. Je suis pas stimulé. Je ne me sens pas stimulé. Non, quand même, Yellow, un peu de tenue. Non, vous savez, j'ai l'impression de... Rappelez-vous ces CD. Est-ce que vous rappelez les CD, les jeux, les sortes de mini-jeux que t'avais dans les boîtes de céréales? Alors, pas les jeux complets, hein, mais parfois t'avais des sortes de mini-jeux. Voilà, j'ai un peu l'impression de jouer à ça, quoi.
sorte de mini-jeu, voilà, très très simple dans sa construction, voilà, voilà. Non mais le prends pas mal là, Yoritomo. Ah, ça y est. Une lance légère avec une pointe en os poli. Bah go, hein. Un petit NMH en salé, je boude. Bah oui, mais écoute, attends, là, tu dis que je suis trop dur, enfin, tu dis que je suis pas sympa et tout, mais t'as qu'à demander, ce matin, écoute, ce matin, c'est comme si j'avais donné un somnifère aux gens, quoi. C'est tout. On a... C'était pas facile. En vrai, que tu sentes pas stimulé, ça rejoint un peu la vie des gens que tu as principalement sur le jeu. Pas vraiment de souvenirs marquants, juste de savoir passer un mauvais moment. Si, quand même, ça avait l'air de... Il y a eu un... l'appréciation du jeu avait l'air d'être était plus que non stimulation quand même, hein. Là, si je dis à Yoritomo, ouais, tu t'es pas senti stimulé, t'as joué au jeu comme t'aurais pu jouer à un des mineurs, il va me dire, sapin, tu te fous de ma gueule, quoi. Et il aurait raison quand même. Un peu de respect. La bonne nouvelle, c'est que tu auras fini la prochaine session. Oui, alors par contre, faut peut-être pas t'abuser un peu là. Ouais, 20h, c'est pas 4 streams, hein. Des mineurs, j'ai quand même plus de souvenirs marquants que Jet Cocoon perso. Oui. Non mais est-ce que vous vous rappelez, même ça existe encore, des VHS de films, voilà, de films que tu vas pas voir au cinéma mais que tu regardes en cassette. Pas ce genre de film. C'est pas mauvais, mais bon, tu vas pas te déplacer au ciné pour voir ça. Les directs ou vidéos, non mais... Bref, et ben, les films comme ça, c'est sympa, tu regardes ça avec un pote, là, tu prends ton Netflix, allez, on va dire Netflix, comme ça, c'est mieux que les VHS, parce qu'on va avoir l'impression que j'ai 75 ans. Bah, Jet Cocoon, c'est un peu ça, quoi. Voilà, il irait. À l'époque, il aurait bien aimé sur. Il aurait été sur un petit Game Pass, là. Un petit Game Pass au pif. Non, peut-être pas à l'époque. Non, pas à l'époque. Pas à l'époque, excusez-moi. Bon, je. Ah, ça touche plus, là. Non, pas les films du dimanche soir, non. Non mais oh, je vais mettre mon collier anti-pétrification parce que là ça va pas là. Non mais voilà ce genre de film, voilà. Tu les regardes sans regarder. Le lendemain t'as oublié ce que t'as regardé. Oui voilà. Bah c'est ça, oui, c'est ça.
Et oui, bah c'est un peu dommage. Disons que noter un jeu comme ça, c'est super difficile. C'est super difficile. Parce que même la note, tu sais pas quoi dire. T'es là, tu te fais... Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai vécu. Est-ce que finalement j'ai vécu quelque chose ? Parce que... Là, j'ai bu de l'eau, quoi. J'ai bu de l'eau... Non, mieux, j'ai encore mieux. Plus jeune, on t'a fait le coup. On t'a fait le coup du Volvic aromatisé à la fraise. Et toi, tu fais « Oh, trop cool !» Et là, tu bois et tu fais « Mais c'est de l'eau !» Bah oui, c'est de l'eau, mais c'est aromatisé. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. De l'eau, mais dégueulasse, mais non. L'univers, je dis pas. L'univers, je peux comprendre, mais... Mais pareil, si je suis pas stimulé, moi, l'univers... Faut que je vive un truc, quoi. Fais-moi vivre quelque chose, quoi. Fais-moi rêver. Fais-moi voyager, quoi. Partons. Et des bisous à Yellow à plus tard. Merci d'être passé. Ok. Allez, je sais pas qui est cette personne. Espérons que c'est la bonne personne. Oui, c'est la bonne personne. Tu arriveras, Yoritomo, un jour. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici ? Une ardoise rage. Oui, l'ardoise. Très bien. Donc nous on veut l'herbe. Je veux de l'herbe. Ah donc il faut Yamu. Donc Yamu ça doit être qui son mari C'est mon enfant. Ah mince. Non. Attends tout ça pour ça? Non mais madame. D'accord, très bien. Donc il est avec son papa et on sait pas où il est. Très bien. Je devrais revenir
au village pour récupérer du pognon. Mais bon. J'ai décidé de... Oh, quoique... Mais non, mais... Non, mais là, je peux plus me faire... Je peux plus me faire pétrifier. Normalement. Voilà. Paf. C'est qui qui m'a proposé le Jet Cocoon? Au fait, c'est toi, Yoritomo? Je sais plus qui m'a proposé ça. C'est pas Kakune, non? Non, c'est pas Kakune. C'était toi? Non, mais c'est pas toi, c'est Yoritomo. C'est Yoritomo, c'est bon! Non, mais ça y est, je me rappelle. C'est toi et j'ai dit... Oh, bah tant mieux! Allez, hop, on y va! Non, mais... Pff, oui, je sais que c'est toi. Ça y est. Non, mais j'ai fait comme Seven Guest. J'ai fait pareil. Je me rappelle, c'est bon. J'ai fait la même chose. Non, mais je sais que c'était toi. Je sais. Je me rappelle. Je me rappelle et... je sais très bien comment ça s'est passé. J'ai fait comme Seven Guest, c'est pareil. Je sais que... On avait parlé vite fait que c'était un jeu qui avait quand même une certaine... notoriété. Ah, je vais mourir. Il faut qu'il me rate. Non, on peut pas le faire avec lui. Lui tout seul. Qui dit rien à part proposer un jeu nul. Mais non, tu proposes pas un jeu nul. Non, c'est pas un jeu nul. Ah, c'est pas un jeu nul. C'est pas nul. Attention. Non. Je refuse de... Un jeu nul, c'est... Bon, il est parti. Un jeu nul, c'est Billy Hatcher, quoi. Mais dans le sens, il est pas nul parce que le jeu est nul. C'est nul parce que ce qu'il veut faire, il arrive pas à le faire. Là, j'ai de Cocoon, ce qu'il veut faire, il arrive à le faire. Mais ce qu'il veut faire, ses objectifs ne sont pas très... Voilà, il... Oh, pardonne ma curiosité. Je me posais simplement la question, voilà tout. Il va pas très loin dans ce qu'il veut, dans ce qu'il recherche, c'est tout. Nous prions. C'est tout. Et je peux et je sais que le fait que ton souvenir vis-à-vis de du jeu, je suis sûr qu'il est il est sincère. 100%. Alors hop. Oh, tu vois la différence entre un bon et un mauvais chasseur, c'est le même pour les jeux moyens. Ah, bien sûr qu'il y a jeux moyens et jeux moyens. Vous rigolez là. Quand tu t'es vu quand Mabou. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, Big Jim, ça non. Non, Big Jim, non.
Est-ce que quelqu'un peut ramener Big Jim à l'entrée du bar, s'il vous plaît? Tu as une minute? Il faut... Garay est à côté. C'est un peu délicat. Sortons. Ah. Sors le premier. Je te rejoins tout de suite. il est pas dans son état normal, excusez-le. Oula. Je sais que je t'en demande beaucoup. Excuse-moi, mais c'est difficile de parler en présence de grand-mère Garay. Autrefois, nous parlions de tout si facilement. Quelle ironie du sort. Ah, donc il faut qu'on parle de... D'accord. Oui, parce que ma mère, sa mère, elle allait voir Mabou. Ta mère vient souvent me voir en ton absence. Elle est très bonne avec moi et elle s'inquiète sans doute un peu aussi. Mais honnêtement, je ne supporte plus ses visites. Ah ! J'aime pas ta mère. Mère Garay comprend peut-être ce qu'elle ressent, mais moi non. La purification ne peut être accomplie que dans la douleur. Ta mère le faisait sans doute par amour pour ton père. Mais il est parti, il l'a quitté. Il ne supportait peut-être pas de la voir souffrir. C'est si cruel. Et malgré tout, elle l'aime encore. Les femmes réagissent-elles toutes ainsi? Tu comprends pourquoi je ne pouvais pas te parler en face de Mère Garay? Mais une telle attitude me met hors de moi. Attends, mais elle a pas 12 ans? Je suis désolée de te faire de la peine. Mais jamais je ne pourrai être aussi soumise que ta mère. Peu importe ce qui arrive, ne t'en fais pas pour moi. Accomplis ton devoir de maître des cocons. Mais ne t'enfuis pas comme l'a fait ton père. Bonne ambiance. T'as bien aimé l'ambiance, hein, Yoritomo, c'est ça, hein. Il y a 20 ans. Ouais. Ton père, tout le monde dit que c'était un homme bien. On m'a raconté ce qu'il s'est passé le jour où il a dit adieu à ta mère. Ah, le doublage est bien. Apparemment, il l'a protégée jusqu'au bout. Comment a-t-il pu la quitter? Est-ce vraiment par compassion? Les marques maudites sont déshonorantes et douloureuses. C'est pourquoi j'ai besoin de ton soutien. Je te veux auprès de moi. Ta mère a interprété le départ de ton père comme la preuve de son amour pour elle. Moi, je me serais sentie trahie. Nous sommes unis dans l'adversité. Alors reste ici avec moi, en tant que maître des cocons de Cyrus. Je t'aime beaucoup, tu sais. Mais notre monde est bouleversé. Pourquoi avons-nous tant de règles et de traditions? Pourquoi ne pouvons-nous pas y échapper? Les Nagis sont parfois considérés comme des parias. Mais je suis fière de mon peuple, et personne ne me fera changer d'avis. Notre union a été arrangée, et je t'ai épousée parce que tel était mon devoir. Et jamais, jamais je ne te quitterai. Peut-être qu'ils n'ont pas 12 ans. Nos sujets de conversation se limitent aux problèmes du village, aux cocons à purifier, aux créatures à dompter. Je sais que le moment est mal choisi pour parler de ces choses-là, mais... Je ne te vois plus. Si seulement les choses étaient différentes. Excuse-moi. Je ne sais même pas où je veux en venir. Mais je me sens mieux. Merci de m'avoir écouté. Oh, j'allais oublier. Prends ceci. Tu en auras probablement besoin. Ok. Non mais c'est pas la première journée, arrêtez. Ça fait un petit moment maintenant. Oui bon bah voilà, c'est... Ouah, c'est pas bonne ambiance, hein. C'est... Ouh là là. Pouf, ah bah quand t'es gosse, ouais, alors vous savez, j'ai dit que c'était un jeu pour enfants, machin, tout ça. Pouf, oh là là, c'est pas facile, hein. Oui, c'est vrai, j'ai commencé ce matin.
C'est pas facile. Comment ça, Mabou? D'accord. Ouais, bien sûr. Ah oui, son fils. Ah oui, bah oui. Non. Je sais plus. C'est Kelmar, là? Ah, et donc là, faut que j'aille le voir? J'ai découvert que t'avais une super emote tondeuse. Que j'avais une super emote tondeuse. C'est vrai que c'est une emote tondeuse. Très belle emote tondeuse, oui. Comment ça, la soie, j'en ai que 4? J'en ai pas fait que 4, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, la soie tonnerre. Oh, j'ai pas vendu la bonne. Je sais pas. J'ai vendu la bonne. Je sais pas. La soie nuage. Ah, il y a différents types de soie. Ah oui, différents types de soie par rapport au type de... Oui. D'accord. Le don de soie, ouais. Non, par contre, là, faut vraiment le renvoyer chez lui. Hein. Il donne tout, là. Il essaye, là, il est en mode... Eh, je vous ai pas raconté? Ah non, mais attendez, faut que je vous raconte, là. Au secours. C'est un JRPG... Ah non, c'est pas un JRPG classique. Non. Non, c'est spécial. C'est différent. Je dirais que... C'est avant tout une aventure, c'est une expérience. Donc faut que j'aille au cimetière. Mais non, c'est pas... Non, parce que... Comment t'expliquer ça? Si, on peut dire que c'est un JRPG, en fait. Si, oui, c'est un JRPG, mais c'est pas un JRPG classique, non. Parce que bah, le fait que t'aies des monstres, et que tu dois t'occuper de ces monstres, et que c'est pas ton personnage qui attaque... Enfin, ton personnage peut attaquer, mais il ne gagne pas d'expérience... Bref. Et... Ouais, c'est un SMT-like, ouais. On va aller au cimetière. Enfin, cimetière, pardon. Ouais, c'est Pokémon, ouais. Voilà, c'est Pokémon. C'est plus simple, ouais, c'est plus simple. Ah, mais il est là. Ah non, c'est lui qui m'avait vendu, d'accord. Oui, d'accord, oui, c'est bon. Les rumeurs qu'elle s'entend pas avec ma mère, ouais. Que ça ? Très bien. Très bien. Bah, mine de rien. On peut dire quelque chose, et je n'ai pas honte de le dire. Enfin, dans le sens pas honte. Ah non. Il faut quand même appuyer dessus. L'écriture est beaucoup plus profonde que tout le gameplay. Ça, par contre, là, il n'y a rien à dire. Mais genre, R. Autant le gameplay... voilà, ça, c'est le gameplay. Autant l'intrigue... Pas l'intrigue, mais... Ah, l'écriture des personnages et tout. Si
C'est sympa. D'acheter de bonnes armes, mais ne tente. L'épée n'est pas l'arme de prédilection d'un maître des camps. Oui, je sais. C'est pas le plus important. C'était Pokémon. Ouais, j'ai compris. Ouais. T'inquiète. La musique, elle touille, mais pas comme d'hab. Ouais, ça va. La musique est pas mal. La musique est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, elle est sympa. Ça va. C'est un peu l'ennui. Oui, mais du coup, elle touille pas, tu vois, c'est... Oui. Oui. T'as tout compris. T'es malin, quand même. Pardon, j'ai vraiment dit ça. Il est malin, quand même, hein, vous vous rendez compte? Oh là là! Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il en a dans la tête, hein? Eh! On dirait pas... T'es vraiment le pire. Ouais, non, mais voilà. Mais ramenez ce Big Jim, là. Vous voyez pas qu'il veut me touiller? Le pire. C'est quoi, ça? Bandeau d'argent. C'est pas ouf, bandeau d'argent, en fait. Donc là, c'est bon, j'ai la max, j'ai pu acheter tout ce que je voulais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que les discussions entre avec les persos... Mabou ne se plaint pas parce qu'elle est courageuse, mais tu dois comprendre que c'est dur pour elle. J'ai l'impression que ça sert à rien, c'est juste pour parler. Protège-la bien, tu es son mari après tout. J'ai l'impression que c'est juste là pour la discussion, quoi. C'est trop bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas ce que je suis en train de vivre. Je comprends pas. Je comprends R. Ouais, mais non. Non, mais c'est un jeu, il y a quelque chose, mais... Ah là 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 là. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est un... Si pour son époque, ce jeu, c'était pas 20 sur 20, quoi. Tu vois, j'arrive pas à savoir, j'arrive pas, je suis perdu, là. Je suis perdu. Au secours. Donc là j'ai plus besoin de thunes. Donc on va juste se faire de l'XP. Après, je pense pas que j'en ai besoin d'XP là. J'ai déjà pas mal XP en fait. Je crois que ce que je suis en train de faire ne sert à rien. Ah, quoique. Bah, ils sont niveau 7 et moi je suis bientôt niveau 10 déjà. J'ai 3 niveaux de plus que toutes les bêtes que je rencontre. Yoritomo! Ou Lily à la limite, même. Je suis un peu perdu là. Parce que si vous avez joué il y a 20 ans, En fait, faudrait rejouer maintenant. Non mais là c'est vrai, pour une fois, je suis... Je n'ai jamais été aussi... comment dire? Cela n'a jamais été aussi vrai. Il faut rejouer au jeu. J'ai l'impression de découvrir le jeu avec toi. Non mais je pense qu'il faut il faut y rejouer.
c'est un peu une nouvelle. C'est fou. Enfin, l'écriture me surprend en fait. Pour un jeu de 2001, l'écriture me surprend. J'ai pris une mini baffe là quand Mabou elle a fait viens là toi. Viens là, faut qu'on parle. Je pensais pas que le jeu allait. Allait parler. Enfin. Allait me balancer ça en fait, tout simplement. C'est comme si les relations entre les personnages elles sont complexes et elles sont pas mal écrites. Enfin, je ne sais pas. Et Yoritomo il s'est perdu dans le bus là. Les animations de combat sont si longues. Ah non, mais... C'est fatigant. Mentalement, c'est pas facile. Pas mentalement. Ah non, faut arrêter. Je recommence ma phrase. C'est pas facile. Non, parce que là, je suis en train de dire... Waouh, là, c'est comme un marathon. Hein. Vraiment, je souffle. Je souffre, je... Waouh. Ah, il est là. Viens, on se tape. Enfin, on se tape. Passe-moi. Oh, homme flûte. Donne, je veux. De quoi tu veux quoi? Je l'ai pas vendu. Homme flûte, bon à rien. Je trouverai tout seul. Là. Oh, j'ai vendu l'arme. Oh non. J'ai vendu l'arme. Oh non. Oh le bouffe. Mais attends, mes gamins. Mais après, ils m'ont pas donné beaucoup d'infos. Hein. Jusqu'à maintenant, pour les deux, là, je leur ai donné ce qu'ils voulaient, mais bon, ils ont pas été non plus d'une aide extraordinaire. Hein. Bon, peut-être maintenant que j'ai vu son fils, je vais aller revoir la mère, et peut-être que la mère, elle va me dire « Ah, t'as vu mon fils Bah il est là, mais il est peut-être rentré à la maison, je sais pas, on va aller voir. » Non mais, impossible que le jeu... Si l'arme, elle était si utile que ça, le jeu, il m'aurait pas laissé la vendre. Je peux pas savoir. C'est marrant, vous. Faut l'arme pour buter le boss. Ouais. C'est un bon JRPG, si c'est ça, vraiment. Ça sert à quoi les armes? Bah. Ah, mais c'est. Donne-moi encore. Non, mais laisse-moi tranquille. Y'avait rien d'autre là? Non, ici, y'avait rien. Oh, je me suis perdu, je crois. Fais moins de dommages que tes mobs. Oui, mais il faut pouvoir se défendre. Il n'y a pas des buffs sur les armes. Non. On peut augmenter les pokés, oui, mais... Bon, tu les augmentes plus... pour les augmenter plus efficacement... Enfin... Tu les fais se battre, et puis voilà, quoi. Il se passe des trucs, ça fait des booms et des bims et des booms, là, et puis basta, quoi. Tu vois, c'est... Voilà.
Si tu peux les fusionner, mais j'ai pas trop compris encore la fusion. J'avoue, la fusion me semble un peu... Ouais. Ça peut donner une attaque intéressante. Ça peut donner plusieurs attaques à un une créature, mais... en fait, j'en ai pas besoin vu que je roule sur les ennemis. Je roule ma tête sur les ennemis. J'ai dû manquer un passage. Madame! Es-tu vraiment humain? C'est tout. Phil! Dépêche! Comment ça, Phil? Il est où? Qu'est-ce que tu lui veux, amour? Mais si je l'ai croisé! Pourquoi? Il le ferait. Ouais, ok. Oh, vous imaginez, je suis bloqué. Non, mais c'est pas possible. Je peux pas être bloqué. Je peux pas me bloquer, c'est impossible. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Enfin, de toute manière, vous savez quoi? Vous avez vu l'heure. Il est 21h30. Et quand il est 21h30, voilà. Là, faut arrêter. Faut arrêter de s'amuser. Faut arrêter de s'amuser. Mais vous savez qu'on est à la moitié du jeu, là? Là, on est à la moitié du jeu. Je crois... ouais, moitié, ouais. Trop de fun, tu le fun, exactement. Yeah, tout à fait compris. On joue à un bon jeu à 21h30. Trop de fun, ça suffit, on va pas s'en... Non, mais... Vous savez ce qui va se passer? Voilà ce qui va se passer là. Je dois avouer que j'ai passé un meilleur stream là, comme j'étais au courant de ce qui se passait, que le premier stream. Voilà. Attention, j'ai dit que j'ai passé un meilleur stream. Quand je dis ça, c'est pas genre j'ai passé un truc de fou. C'est-à-dire que par rapport à mon état de ce matin, qui était proche de... de l'envie de l'envie d'essayer de me planter des petites épingles à nourrice dans la peau pour voir si je réagis, si je suis stimulé, finalement, si je suis vivant encore. On est passé à... Ah, il y a un potentiel vidéoludique. Ça veut dire que lundi, quand on va rejouer à Jet Cocoon, peut-être que soit on va rester comme ça, soit on va... hop, c'est peut-être les montagnes russes, là. On est en haut, on est tout en haut, là. Peut-être que... On sait pas, on écrase même la partie tellement qu'on sait pas. Oui, on sait pas. Donc peut-être... peut-être. On verra. Lundi, explosion du fun, et probablement. Mais, je suis confus. Voilà. Je suis confus. Ce jeu me rend confus. Donc, comme il me rend confus, je peux pas dire waouh, c'est trop bien. Ou je peux pas dire waouh, c'est trop nul. Non, c'est juste. On sait pas. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Bref, en tout cas, je ne sais pas. Mais moi, je sais où je vais vous envoyer. Je vais vous virer, comme dit Big Jim, chez Joss. Et Joss, il joue à Persona 4 avec Afro et la bande. Et là, je suis sûr et certain que Persona, là, c'est du palpable. Là, c'est... Tu vois, là, il y a un truc. Donc, je vous dis bonne soirée. Je vous envoie là-bas. On se dit pas demain, car demain nous sommes vendredi, demain je ne stream pas, mais on se retrouve samedi pour Console Mania 8-16 bits.
et on jouera à Power Drive. Vous allez voir, c'est très bien. C'est très bien. Et oui, c'est très bien, c'est tout. Vous allez voir, c'est très bien, je suis sûr, on va bien s'amuser. Et si vous voulez, si vous attendez Jet Cocoon, ça sera lundi. Voilà, voilà. En tout cas, passez une bonne soirée, bon appétit si vous mangez à cette heure-ci. Merci d'avoir été présent, j'ai passé un bon moment bien sûr avec vous. C'était mieux que ce matin, on part sur ça. C'était mieux que ce matin, merci. Des bisous.